Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir. Cette semaine, nous allons vous parler d'un film se déroulant dans un univers féerique aux couleurs chatoyantes peuplé de petites créatures trop choupies. On va vous parler de L'échelle de Jacob. Film d'ailleurs que vous avez choisi à l'unanimité de toi tout seul, petit coquin, le mois dernier lors du sondage sur Twitter. Alors, L'échelle de Jacob est un film donc américain sorti en 1990 et réalisé par Adrian Lynn, connu entre autres pour ses films cultes tels que 9 semaines et demie et sa version de Lolita, sortie en 1997 avec entre autres Jeremy Irons. 1971, guerre du Vietnam, Jacob Singer est en poste dans le delta du Mékong et lors d'une attaque d'une grande brutalité, il va voir beaucoup de ses camarades de section mourir au combat à l'heure de l'attaque, mutilés, et va en voir certains se comporter de manière étrange, à savoir pris de spasmes incontrôlables, de vomissements, de crises d'épilepsie. Jacob parviendra à fuir l'attaque et à se réfugier dans la forêt, mais sera rattrapé et victime d'un coup de baïonnette. On retrouvera Jacob en 1975 vivant une vie des plus moroses puisqu'il est postier malgré son diplôme en philosophie, pleurant régulièrement la mort de son fils Gabriel, mort peu de temps avant son départ au Vietnam. Il va commencer à souffrir de plus en plus fréquemment de violentes hallucinations ou de crises dans lesquelles il verra des créatures semblant sortir tout droit de l'enfer ou des inconnus aux appendices douteux. Ces hallucinations s'aggravant vont aller crescendo. Jacob va bien sûr essayer de connaître la vérité sur la cause de ces hallucinations et sur ce qui lui est réellement arrivé au Vietnam. Alors Jacob est joué par Tim Robbins, sa petite amie Jessie est jouée quant à elle par Elizabeth Peña. Avant de faire ce film, il n'était absolument pas connu. Faut savoir que lors des castings, il y avait environ une centaine d'acteurs qui se sont présentés pour le rôle de Jacob et je crois à peu près 200 actrices pour le rôle de Jessie, dont Al Pacino, Richard Gere, Dustin Hoffman pour les hommes et pour les femmes Andie MacDowell, Julia Roberts et Madonna. Rien que ça. Alors les acteurs devant incarner des soldats ont été entraînés pendant 5 jours par le capitaine Dale Tai qui est lui-même vétéran du Vietnam. Alors il faut savoir que Bruce Joel Rubin, qui a écrit le scénario, l'avait déjà écrit 10 ans avant la production du film. Il l'a écrit suite à un de ses cauchemars qu'il faisait régulièrement où il se retrouvait enfermé dans une station de métro. Alors il voyait dans ce film une interprétation du livre des morts tibétain, le Barto Todol, dont on va pas trop débattre ici parce qu'on n'a aucune notion de ce livre. On peut également noter qu'il avait passé 2 ans dans un monastère tibétain avant l'écriture du script de L'échelle de Jacob et de Ghost. Et après avoir écrit les scénarios de L'ami mortel et de Brainstorm. Ces deux derniers films étaient centrés sur la vie après la mort, on peut donc penser qu'il a clairement une petite fascination pour ce sujet-là. Alors, quand il a voulu vendre son scénario à Hollywood, la plupart des producteurs étaient réticents à l'idée d'adapter ce projet parce que, tout simplement, ils le jugeaient inadaptable. Alors, les avis des producteurs changeront après la sortie de L'ami mortel de Wes Craven, donc qu'il a aussi scénarisé. Et du coup, le script sera racheté en fait par le studio indépendant Carolco, qui lui laissera une liberté de création beaucoup plus grande et qui du coup le propulsera également coproducteur du film. Alors, Adrian Lynn, qui lui a réalisé le film, de son côté, lui, pour préparer le film, il a regardé énormément de films de guerre et il a aussi regardé pas mal de documentaires sur les expériences de mort imminente. Donc, comme on vous l'a déjà dit avant, Adrian Lynn, il a pas une filmographie très longue, mais la plupart de ses films sont restés cultes. Hein. On peut citer 9 semaines et demie, on peut citer Liaison fatale, on peut citer Lolita, comme je l'avais dit. Enfin, il a une sacrée filmographie. Alors, il faut noter qu'il a de mémoire plus rien réalisé depuis 2002, il me semble. Oui. Et normalement, il a réalisé récemment un film qui devrait normalement sortir en 2021. Lors de sa sortie en salle, L'échelle de Jacob recevra des critiques majoritairement positives, malgré un succès mitigé en salle. Malgré tout, L'échelle de Jacob, encore aujourd'hui, reste un film culte dont beaucoup de gens s'inspirent encore aujourd'hui. Il inspirera notamment les jeux Silent Hill, dont il y a dans le troisième, si je dis pas de conneries, une réplique de la station de métro du film. Ryan Murphy s'inspirera également de L'échelle de Jacob pour sa saison d'American Horror Story Asylum. L'échelle de Jacob aura même droit à son remake en 2019. Que plus ou moins tout le monde a oublié, je pense.
qui apparemment est pas très bon, mais qu'on n'a pas vu, donc on ne jugera pas ici. Non. Voilà. L'échelle de Jacob est régulièrement classée dans les films les plus effrayants de tous les temps. Alors, le film comporte de nombreuses références bibliques, jusqu'à son titre, hein, puisque l'échelle de Jacob fait référence à un passage du livre de la Genèse, fait référence bien sûr au personnage de Jacob, celui-ci faisant un rêve pendant son voyage, dans lequel il verra une échelle reliant la terre aux cieux, le long de laquelle les anges peuvent monter et descendre. À noter que le titre possède un titre alternatif moins connu, Dante's Inferno, donc en référence à l'enfer de Dante, bien sûr. Les prénoms des personnages font aussi pour la plupart référence à des personnages bibliques. On va prendre le personnage de Jay-Z, la copine de Jacob, hein, pas le rappeur, dont le vrai prénom est en fait Jézébel, donc qui dans la Bible est montré comme un personnage vicieux et malfaisant, poussant son mari à se détourner du Tout-Puissant, en fait. Le prénom du fils de Jacob, Gabriel, celui-là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une référence à l'archange Gabriel, annonciateur de la naissance de Jesus Christ. Le nom de Jacob, quant à lui, bah, c'est la même référence que le titre du film, hein, puisqu'il fait référence au songe de Jacob. Donc attention, à partir de ce point précis de la vidéo, on va spoil comme des gros bâtards. Il n'y a plus de respect, c'est fini. Du coup, si vous n'avez pas envie de vous prendre un gros spoiler en pleine face, on vous invite tout simplement à quitter la vidéo et à reprendre la lecture après avoir regardé le film. L'échelle de Jacob fait partie des premiers films à avoir un twist final qui remet en fait en cause l'ensemble du film, tout simplement. Du coup, ben, c'est intéressant de revoir le film après l'avoir vu une première fois. Et là, en fait, il y a énormément de petits détails qui vont nous sauter aux yeux. Et le film va prendre totalement une autre dimension. On apprendra à la toute fin qu'en réalité, Jacob est mort au Vietnam, donc suite au coup de baïonnette qu'il prendra dans la jungle. Et que tout ce qui se passe après, donc ce fameux coup de baïonnette, tout ce qu'on voit qui se passe 4 ans après, c'est en réalité le purgatoire de Jacob. Celui-ci cherchant manifestement à expier toutes les horreurs de la guerre. Alors, quant au personnage qui entoure Jacob dans ce purgatoire, on peut noter par exemple que Louis, son chiropracteur, est clairement son ange gardien. Il essayera pendant tout le long de sa traversée d'apaiser les souffrances physiques de Jacob, alors que Jay-Z, quant à elle, va essayer à tout prix de garder Jacob avec elle, ou disons même de l'entraîner avec elle en enfer, en fait. Ouais, tout ça, c'est des éléments auxquels on ne prête pas forcément attention pendant la première vision, en fait. C'est des choses qui deviennent plus évidentes, comme on le disait à l'instant, à la deuxième vision, donc une fois qu'on a connaissance de ce twist final. Parce que quand on regarde le film pour la première fois, on a tendance à penser que Jay-Z est une bonne personne, parce que quand, par exemple, quand Jacob fait son pic de fièvre, elle va le mettre dans le bain glacé pour essayer de lui faire baisser sa température, etc. Alors qu'en réalité, une fois qu'on connaît la fin et qu'on voit cette scène avec la connaissance donc, de la mort de Jacob, on se rend compte que c'est plutôt une espèce de torture physique en fait qu'elle lui fait endurer. Pourquoi on vous spoil autant? C'est parce que le film a plusieurs niveaux de lecture. Donc le purgatoire dont vous parlez a ici deux significations. Il y a bien sûr le purgatoire au sens biblique du terme. Donc cette traversée du purgatoire de Jacob pour se rendre soit au paradis, soit en enfer. Et le purgatoire, la deuxième signification, c'est le retour à la vie civile en fait des anciens soldats qui peut être vécu comme un purgatoire. La vie normale étant devenue quelque chose pour la plupart de complètement étranger, qui peut être quelque chose de très très difficile à vivre. On le voit ça assez clairement dans une scène de dialogue entre Paul, donc un ancien camarade du Vietnam, qu'on voit au début qui est dans un état quasi catatonique pendant... c'est pas s'il est paralysé par la peur qu'on voit au début, il va le retrouver dans un bar, ils vont avoir une conversation dans laquelle Paul va lui confesser que il a les mêmes visions que lui et il fait le même genre de crise que lui. Et on apprendra par ailleurs même par la suite que beaucoup d'anciens camarades du Vietnam de Jacob sont eux aussi sujets à ces hallucinations. Le film aussi peut être assez clairement perçu comme un plaidoyer en faveur des anciens combattants
qui n'ont pour ainsi dire pas de suivi psychologique après la guerre. Leur réinsertion dans la vie civile étant, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement difficile, surtout qu'après la guerre du Vietnam, beaucoup ont été dévalorisés, traités d'assassins, etc. par une grosse partie de la population. Donc encore une fois, Jacob, par exemple, étant devenu postier, enfin travaillant dans un centre de tri de colis, alors que il était quand même docteur en philosophie avant le Vietnam. Pour la petite anecdote, cette thématique-là, du retour à la vie civile, elle avait déjà été traitée dans le film Rambo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est produit par le même studio. Et on voyait le personnage de Rambo aussi qui disait explicitement que pendant la guerre, on lui mettait entre les mains des millions de dollars de matériel et que après la guerre, il avait du mal à trouver un boulot de pompiste. Donc c'était un problème récurrent à l'époque pour les anciens du Vietnam. Alors le film explicitement soulève une autre question. Ça vient dénoncer une pratique qui était visiblement, enfin qui est mentionnée dans le film, qui veut que on aurait inoculé pendant la guerre du Vietnam et pendant d'autres guerres des drogues de combat aux soldats, les rendant plus agressifs, les faisant sombrer pour beaucoup dans la folie. Toutes les scènes contenant des effets spéciaux ont été filmées en huis clos et sans post-prod. C'est-à-dire que rien n'a été retouché, ça a été filmé tel quel et ça a été gardé tel quel. On n'a pas retouché la photo, la lumière, l'effet en lui-même. Les démons sont inspirés de l'imagerie biblique des démons, l'imagerie classique, conformément à la vision du scénariste, ce qui d'ailleurs lui vaudra quelques petites disputes avec le réalisateur, parce que lui aurait préféré s'inspirer des difformités thalidomides. Alors ces difformités donc thalidomides, elles ont été causées en fait dans les années 50-60 par donc ce fameux médicament le thalidomide, qui a été donné notamment aux femmes enceintes, c'était un antinauséeux. L'effet secondaire de ce médicament, c'est fort sympathique, donnait naissance à des bébés sans membres. Enfin, sans bras, qui avait juste des mains et des pieds, sans section en fait. Certaines autres créatures sont largement inspirées des travaux de Geiger. Pourquoi on considère l'échelle de Jacob comme un classique? Eh bien parce qu'on l'a dit, hein, pour l'impact qu'il a eu sur la pop culture, sur le jeu vidéo, sur la musique, etc. Et pour son côté précurseur, encore une fois, on l'a dit suite à son twist final. Enfin, moi, personnellement, vraiment à titre personnel, en termes de twist final, je crois qu'avec Usual Suspect, oui. Pour moi, c'est un de mes twists préférés. Hein. Parce que la première vision, franchement, clairement, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Alors oui, effectivement, moi, c'est pareil. Je ne l'ai absolument pas vu venir, cette fin. Pour moi, c'était juste une histoire de médoc. Voilà, bon, alors, j'avais tout faux, comme beaucoup de gens, je pense. Après, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est ces effets visuels. Et puis, il y a toute la partie aussi qui se passe dans l'hôpital, qui est vraiment dégueulasse. C'est l'environnement, il est sale, il est glauque, et puis il y a ces créatures. Et vraiment, on a l'impression de... Enfin, on a une impression de claustrophobie, de saleté, on est mal à l'aise. Et en fait, c'est un peu le but du film, hein, clairement, de te foutre mal à l'aise. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est clairement une réussite. Ouais. Bah, on peut clairement faire un parallèle avec l'atmosphère de Silent Hill. Si vous avez jamais vu le film et que vous avez joué au jeu Silent Hill, par exemple, bah, vous allez clairement retrouver cette atmosphère-là. Clairement, il y a même des créatures dans Silent Hill qui sont très très inspirées de celles de l'échelle de Jacob. Je prends l'exemple de cette espèce de médecin sans visage. Il y a un moment donné un médecin sans visage qui apparaît dans l'échelle de Jacob. Il y a des créatures qui sont très proches de ça dans Silent Hill par exemple. Il y a autre chose aussi que j'aime bien dans ce film, c'est que tu as quand même une espèce de montée en puissance. Ça veut dire le film commence, allez on va dire soft entre guillemets. Mais plus on avance dans le film, plus c'est glauque, plus c'est malsain, plus c'est sale. Et cette montée, en fait, fait aussi que toi, en tant que spectateur, t'as une espèce de montée d'adrénaline, comme ça. C'est totalement vrai. Je pense que ça va crescendo. Pourquoi? Parce que c'est dû au ressenti du personnage. Parce qu'on le rappelle, c'est la traversée du purgatoire. Et comme l'esprit de Jacob a l'air de plus en plus embrouillé, il a de plus en plus de mal à... En fait, les atrocités commises ou vues au Vietnam ont l'air de plus en plus le hanter, donc fatalement, ces visions, les visions qu'il va avoir et la traversée du purgatoire vont être de plus en plus intenses, de plus en plus violentes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le passage de l'hôpital, on atteint un pic dans le glauque, dans la saleté, même dans la violence, hein, parce qu'à ce moment-là, ça devient très très graphique. C'est effectivement ce que tu dis, c'est juste. Et par ailleurs, c'est un film qui ne nous épargne rien. Que ce soit le côté glauque, il y a tout dans ce film.
Il y a de l'horreur psychologique, de l'horreur humaine, on va dire, hein, parce qu'on voit, entre guillemets, la misère du personnage de Jacob. On voit le côté glauque, sale, malsain. Donc l'atmosphère est très pesante aussi, et on a droit à de l'horreur graphique. Oui. L'horreur graphique qui arrive dès le début du film. Une horreur vraiment tangible, vraiment réelle, puisque ce qu'on nous montre au début, ce sont les horreurs de la guerre vraiment telle qu'elle est. On nous la balance frontalement au visage. Après, on va basculer dans une horreur, entre guillemets, plus abstraite. C'est ça. Mais c'est vrai que le début, c'est exactement comme ça que ça se passe, une guerre, quoi. C'est-à-dire que c'est dégueulasse, etc. Donc ça on te l'épargne pas. Et pour le coup, c'est une horreur qui est réelle, quoi. Donc c'est encore plus prenant, quoi. Ouais. Et bon, le film doit beaucoup à l'interprétation de Tim Robbins aussi, qui est vraiment extrêmement, extrêmement convaincant dans le personnage de Jacob, à l'image de tous les comédiens. Hein. Oui. Alors, petite anecdote, on n'a pas parlé du fils de Jacob qui était joué par Macaulay Culkin, mais qui n'est pas... Enfin, il n'est pas... Il n'est pas crédité. Il n'est pas crédité au générique, ouais. En fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Pourtant, ouais, on le voit apparaître quand même assez régulièrement sous forme de flashback, en fait. Alors, disons, on le voit pas beaucoup, mais disons qu'il a un rôle quand même vachement important, parce que c'est quand même lui qui va emmener Jacob en haut de l'échelle. Ouais. Son personnage, il est là, il est hyper important, c'est un peu la lumière qui va l'emmener vers le paradis, quoi. Donc clairement, il est hyper, hyper, hyper important. Ouais, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous fait revenir à ce crescendo. À la toute fin du film, une fois que Jacob connaît la vérité sur, à ce moment-là du film, ce qu'on pense, hein, connaît la vérité sur ce qui s'est enfin passé au Vietnam, il rentre chez lui, dans un endroit qu'on suppose être chez lui, sauf que l'endroit n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît au début du film. Il arrive dans un endroit très calme, très posé, rangé, propre, beau. Clair. Clair, et Jacob, à ce moment-là, a l'air totalement apaisé. Et il y a une image qui est tellement iconique à la fin pour moi, c'est Jacob qui va passer donc la nuit assis sur un fauteuil, apaisé, calme, tranquille, qui va entendre du bruit, qui va voir son fils en bas des escaliers, qui va le prendre par la main et qui là, pour moi, sort une des meilleures répliques là qui me viennent de pour moi de l'histoire du cinéma, qui est juste: viens, il faut monter maintenant. Mmh. Et cette image là, l'image de l'escalier avec la lumière, ça résume clairement tout le titre du film. Le titre du film peut être résumé dans cette scène. Voilà, l'échelle de Jacob, c'est ça. C'est là que le titre du film prend tout son sens, c'est dans les dernières secondes. Alors, l'échelle de Jacob, c'est un film métaphysique qui pousse vraiment le spectateur à réfléchir. Du coup, c'est vrai que c'est pas un film que tout le monde peut appréhender facilement. C'est un film traumatisant, déprimant, on va pas se mentir, avec des scènes de paranoïa et de schizophrénie qui sont quand même assez, assez dures, et donc jusqu'à ce fameux dénouement dont on vient de vous parler à l'instant, avec la montée des escaliers vers le paradis. Donc voilà, on approche de la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce film, ou si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, ça nous intéresse d'avoir votre avis. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, ça mange pas de pain, et à activer la petite cloche, toujours pour être tenu au courant des nouveautés. Venez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, on est très actifs, surtout sur Twitter. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.